Hello les potes cancer, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce changement de saison de septembre à octobre? On va aller voir pour vous les énergies tout de suite. Que vous soyez cancer, ascendant, cancer, lunaire, cancer, Vénus, cancer. Bienvenue à vous. Ou si vous vous intéressez tout simplement au cancer, vous avez le droit. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne ici pour ce changement de saison. Qu'est-ce qui se prépare tout doucement pour le mois d'octobre aussi? Qu'est-ce qu'on aboutit au mois de septembre pour les cancers? Qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Un instant. Elle ne fait pas, elle s'en va encore dans le fond, hein. C'est fidèle à vous-même ici. Mes amis, on nous parle d'un valet de bâton. Il y a des nouvelles choses qu'on va mettre en route ici. On est ici sur des nouveaux apprentissages, un nouveau boulot peut-être, quelque chose. Et on a le soleil ici en deux paquets. Hein. Donc c'est plutôt pas mal ici pour vous. On a ce soleil et on a le fait d'aller vers d'actionner vers quelque chose de nouveau ici, hein, j'ai l'impression, pour certains. On a vraiment ici des nouveaux projets, des projets plus jeunes. Vous voyez bien, c'est présenté ici par un personnage assez jeune, ici, de rouge vêtu. Donc, on nous parle quand même d'actionner les choses ici au niveau des projets, du boulot peut-être. Voyons voir pour les cancers qu'est-ce qui accompagne ce valet de bâton avec la truelle. Elle est restée dans ma main. Ah, on nous parle de mensonges ici. Ok. Et on a quand même la clé. Hein. Donc en deux paquets, le soleil et la clé. C'est plutôt pas mal ici, je trouve. Mais là, il y a le fait d'aller vers des choses nouvelles parce que on s'est peut-être menti à soi-même ou on est peut-être en train de se mentir. Ici, on nous parle peut-être qu'il y a eu des mensonges, des choses cachées. On va aller voir ici tout de suite pour vous. Les cancers, quel est le tirage pour vous? Ici, pour les cancers, pour ce changement de saison de septembre à octobre, on nous parle de quoi? On a de l'instabilité concernant une famille, à l'entourage proche, liant aux amis ici pour certains. Il y a des choses qui vous mettent en retard par rapport à des compromis ici qu'on s'était fait, un équilibre qu'on avait accordé pour actionner un changement. On parle de choses qui reviennent liées à la famille. Ah, voilà, en tout cas, sur l'instabilité, on nous parle ici qu'il y a une victoire, une instabilité avec cette femme, il y a quelque chose qui va être réussi. On nous parle ici par rapport à un homme ou par rapport aux actions qu'on va peut-être lier. On nous parle encore de retard sur la joie, hein, par rapport à des contrats, des accords, de l'engagement. Pour une femme ici, une victoire par rapport à un homme. Hein. C'est peut-être une personne de l'entourage proche ici pour vous, ou vice-versa, vous inversez homme-femme, n'est-ce pas? Ou homme-femme-femme. C'est des énergies générales, je le rappelle. En tout cas, on nous parle qu'il y a de l'instabilité ici par rapport à cette énergie féminine ici, ou sur l'émotionnel concernant l'entourage proche. Et on a une réussite ici qui se fait. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, avec l'entourage, on a la victoire sur le contrat, on a victoire homme-contrat, et on nous parle ici par rapport à peut-être la famille, des biens familiaux ici, la construction ici de projets par rapport à un couple aussi. Hein. On nous parle de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place, et on est en train d'en discuter hein, ici. Il y a vraiment sur le fait de ne pas être bien ici physiquement, émotionnellement, hein, voyez un peu comment ça se passe. C'est peut-être dû à ces mensonges, à cette duperie ici, au fait de s'être menti même à soi-même. Ici, on nous parle quand même qu'il y a une femme qu'il y a un homme qui se dirige vers une femme qui se dirige peut-être vers un entourage amical. On a vraiment ici cette idée d'actionner ici cette victoire sur cette instabilité. Hein. On a l'idée ici d'aller vers des nouvelles choses avec ce valet de bâton. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. On mène des nouveaux projets, on mène quelque chose de neuf et c'est une victoire, c'est une réussite. On a des signatures ici, hein. Des signatures ici qui viennent se faire de l'engagement concernant ici cet homme. On va aller voir, on va aller vous recouvrir ça avec le petit carré pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce tirage pour mes cancers?
éclaircissons cette situation. Je coupe. On est sur l'instabilité. De quoi on nous parle? Il y a des choses qui vont s'accorder. Hein. Vous voyez, il y a les courbes qui sont complètement désaccordées. Et là, on voit avec cette guitare qu'il y a des choses qui vont se réaccorder. Hein. Donc là, ça reprend un peu plus de fluidité, j'ai l'impression. Ah, voilà, il y a quelque chose qui s'est arrêté par rapport à cette femme. Hein. Il y a eu peut-être une séparation, il y a une rupture. Il y a le fait d'avoir cessé peut-être cette instabilité. On a ici une réponse positive. Ici, on vous dit oui par rapport aux amis, à l'entourage proche. On a peut-être un oui par rapport à un ami. En tout cas, le fait de s'accorder ici va faire qu'on va peut-être arrêter ici de peut-être toujours dire oui aux amis aussi pour certains d'entre vous, hein. On a la victoire ici sur de la tristesse qu'on a pu ressentir peut-être liée à cette séparation. Mais il y a le fait ici de se réaccorder, de se réharmoniser. On va dire non à cette tristesse ici. On a un oui, non, on a une hésitation, on ne savait pas, ça rendait dingue ici pour certains d'entre vous, j'ai l'impression. C'est peut-être une histoire de couple ici. Mais là, il y a des choses qui ne sont pas dites. On ne parle peut-être pas de sa tristesse, on ne parle pas de ses engagements, on ne parle pas de ce contrat. C'est silencieux. On dit oui à ici une personne de l'entourage proche, on dit non peut-être pour un homme ou par rapport à un homme. On est dans une situation oui, non, non, oui, on ne sait pas, oui, puis non, et puis on décide de ne pas en parler ici. Il y a vraiment des choses ici, de ce que vous aimiez ici, de ce que vous étiez, ce qui vous rendait instable ici. Je pense que c'est vraiment cette séparation, cette harmonie ici, instable ici, qui est due à cette séparation par rapport à cette femme ou par rapport à cet homme, vous voyez. C'est lié ici à toujours dire oui, peut-être à un entourage proche, on dit oui par rapport à un ami, oui par rapport à une autre personne aussi qui fait partie de l'entourage amical ou collègue, ami, voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas, on parle que cette séparation a prouvé beaucoup de tristesse et beaucoup de négativité. Et là, on a de la victoire sur les actions qu'on va mener, on va vers des nouvelles choses, on va dépasser ces mensonges, j'ai bien l'impression, on a les solutions ici avec sagesse. Il y a des choses qui sont parties pour du long terme. On a des contrats, des engagements de signature, mais pour lesquels on ne parle peut-être pas. Ici, on nous indique d'être attentif, d'être à l'écoute. Ici, on nous parle de choses qui viennent trancher, bloquer ici au niveau des intuitions par rapport au manque qu'on a, un manque de communication, de message par rapport à des choses qu'on voulait mettre en place. On parle de projets, peut-être de voyages, de projets. J'ai ici. Mais le message échange par rapport à ici une grossesse ou par rapport à des projets qu'on avait. On nous parle d'une femme ici hein, qui a été beaucoup peut-être dans l'ego ici pour cet été au niveau de la maison, du foyer. On vous dit que c'est protégé, hein, vous allez être éclairé par rapport à des choses qui vont revenir vers vous. On nous parle de quand même d'une personne rusée, calculatrice et pas bienveillante ici pour lesquelles on va apprendre certaines choses, mais ça va être assez lumineux pour vous. Hein. Vous allez trouver les solutions ici par rapport à ce que vous voulez léguer. Il y a cette histoire d'hérédité, d'amour et de fécondité encore, hein, de nouveaux projets, d'engagement. Mais non, oui, on dit oui, puis non, on n'en parle pas. Hein. Ici, c'est assez compliqué ici pour vous, je trouve, les cancers. On est encore dans les bas-fonds de ces sentiments ici, hein, pour certains d'entre vous. Mais voilà, je ne m'inquiète pas trop parce que j'ai quand même en d'autres paquets ici ce soleil hein, qui vient et cette clé sur les mensonges. Donc des solutions sur ce qui était caché, on va en trouver. Oui, non, des choses non dites par rapport à des engagements. Tristesse sur une victoire aussi, si peut-être, ou victoire sur cette tristesse. Voyez un peu comment vous vous situez. En tout cas, pour moi, sur l'instabilité, il y a des choses qui vont réussir et qui vont se signer. Les choses vont s'accorder par rapport à votre tristesse, mais vous n'allez peut-être pas en parler ou on vous en a peut-être pas parlé tout de suite, c'était pas encore dit. On a ce soleil, cette réussite ici, regardez-moi ça comme c'est beau ici, hein. On a cette énergie de balance ici au milieu, donc on s'est vraiment retrouvé un équilibre et avec cette clé, c'est vraiment trouver les solutions ici pour vous. Bon, j'espère que ces messages auront parlé à certains d'entre vous, les cancers. Je vais toujours vous prendre une petite carte ici avec le petit Victorien. Qu'est-ce qu'on a à dire à mes cancers ici pour ce changement de saison?
Je m'en vais la chercher. Hop. On a la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Sur l'instabilité, on a cette victoire, on a cet engagement. Sur cette tristesse, il y a des choses qui s'accordent, on a peut-être des choses qui se sont arrêtées. Et là, on vous parle de l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Et si demain, tu le veux, encore tiens. Il y a l'idée de trouver sa direction, de se fier à ses instincts, de trouver le bon chemin. En tout cas, pour moi, vous avez la clé, ce soleil. Si vous avez traversé ici des énergies par rapport à des nouvelles choses, on vous a menti sur des nouveaux projets ici, hein, ben, pas d'inquiétude, il y a des choses qui vont s'arrêter. La tristesse va s'arrêter ici, l'instabilité va se régler. On a de l'engagement, on ne va pas en parler. On a un oui, on a un non, on a une certaine instabilité, encore une fois. Mais il y a le fait d'engager sur ses intuitions, ses émotions avec l'homme et la femme. Ici, c'est vraiment alliancer l'action, l'intuition et l'émotion. Hein. Donc voilà, on a les solutions, c'est ensoleillé, on nous parle de sagesse, d'engagement, de contrat, de signature. Peut-être le conseil est de ne pas en parler ici pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage aura parlé à certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à plus tard pour d'autres tirages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.